Yo la famille, c'est comment? Je sais qu'actuellement tous les fans de Bordeaux, certains en tout cas d'entre vous sont découragés, ils sont tristes parce qu'il y a certains membres qui m'ont appelé et m'ont laissé des messages comme quoi, mais toi Kessia, hier on avait toute la nuit, que du sale n'est pas sorti. Voilà, donc cette vidéo là, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi que du sale n'est pas sorti et puis vous envoyer le mot de la tisse. Voilà, donc restez connectés et puis partagez la vidéo surtout, partagez la vidéo. N'écoutez pas ces personnes là. Qui sont en train de toujours laisser des mauvais commentaires, pour vouloir toujours abaisser votre attise, pour vouloir toujours le diminuer et tout ça. Ne faites même pas attention à ces personnes-là, parce qu'elles ne finiront jamais, elles seront toujours là, à vouloir toujours vous énerver ou à vouloir toujours vous mettre en colère. Donc ne regardez pas ça, restez concentrés sur l'objectif du 20 décembre, le concert, et puis ne vous inquiétez pas, j'aurai un petit mot juste après le générique pour eux aussi. Voilà, on se prend après le générique, les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède à des virements. Des... Voilà, bon retour. Donc la Légion, bien avant que je vous donne tous les détails du cul du sale manqué hier 20 novembre 23h59, j'aimerais m'entretenir un peu avec les détracteurs de Bordeaux Licoufa. Vous savez? Comme moi, souvent, je viens ici parler à mon artiste, c'est pour qu'il s'améliore. Je ne le fais pas pour m'en moquer ou bien pour en rire. Non, loin de là. Tel qu'il est là. Moi, perso, je l'aime comme ça. Puis, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment comme ça. Donc, ne vous fatiguez pas. Hein, ça, je vous le dis gentiment. Ne vous fatiguez même pas à vouloir toujours laisser des mauvais commentaires. Parce que de la manière que vous étiez borné, ou bien vous êtes borné à aimer un artiste, là, c'est comme ça. Nous aussi, là, nous sommes bornés à aimer des Bordeaux Licoufa dans ses défauts. Faut que ce soit clair en fait. Je le dis parce que c'est bien de le dire pour que ce soit clair dans votre esprit en fait. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez absolument pour rien. Voilà. Nous tous, on a attendu le morceau. Le morceau n'est pas sorti. Il y a bien une raison que je vais donner tout à l'heure. Mais quand vous êtes là à dire que l'artiste il est paresseux, l'artiste il n'a pas de prix, il va faire quelle célébration. Pendant que toi tu es en train de dire ça, toute la Côte d'Ivoire parle de son concert. Tout le monde entier est mobilisé pour son concert. Que ce soit les États-Unis, que ce soit le Canada, que ce soit la France, je reçois que des coups de fil, je reçois que des messages. Et puis je sais que ces fans ne ce sont pas des faux, ils vont confirmer. Voilà, donc arrêtez de bavarder. Parce que vous êtes toujours là à raconter les mêmes choses, mais ça ne change pas. Moi, je vous rappelle toujours que pendant que vous vous fatiguez, vous vous épuisez à vouloir dénigrer un artiste, lui, il s'est déjà construit, lui, il s'est déjà fait un nom. Voilà, le jour qu'il va mourir là, on va se rappeler que. Il y a un artiste qui s'appelait Debordo, il a chanté Célébration, il a chanté Nafangadé, il a chanté Que dit ça, il a chanté Agazagaza, il a chanté beaucoup, beaucoup de morceaux. 2 sons ou 3 sons ou. Il a des fans pour ça. Je vais vous prendre un exemple simple. Les légendaires, soyez patients, je vais vous donner les infos tout à l'heure, mais il faut que je sois clair avec ces derniers-là, ces détracteurs-là. Fethi Arafat était l'artiste qui avait le plus d'audience sur le web, c'est-à-dire sur Facebook, sur YouTube, partout. Mais actuellement, là, hein? C'est pas pour faire une comparaison. C'est Debordeaux qui a pris le relais. Je ne dis pas que Debordeaux est son héritier ou bien je veux le comparer à Debordeaux. Non, mais je vais vous dire actuellement, les gens aiment Debordeaux. Les gens s'intéressent à Debordeaux. Parce qu'ils avaient pratiquement le même profil. Voilà, c'est pourquoi ils s'aimaient à distance, mais ils ne pouvaient pas rester longtemps ensemble. Voilà. Pas tel les directs de Debordeaux. Il n'a pas 1 million d'abonnés sur sa page. Il n'a pas 2 millions, ni 3. Il n'a même pas 500 000. Mais quand il fait un direct, c'est au moins 500, 400 000 vues après. Il y a des directs qui ont dépassé le million. Pourquoi être jaloux? Pourquoi être jaloux? Il intéresse beaucoup. Il intéresse bon nombre de personnes. Il y a des gens qui sont fans de lui. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour lui. Parce qu'ils aiment sa musique. Ils aiment sa voix. Cette voix si singulière-là. Les gens qui sont fans de ça. Donc, ne pensez pas que quand vous allez passer votre temps à vouloir le dénigrer, à laisser des mauvais commentaires, ça va décourager certaines personnes. Non. Souvent, il me revient en commentaire comme quoi tu as dit que tu parlais plus de Bordeaux. Ma vidéo est là. Effectivement, j'ai dit qu'il ne parlait plus de Bordeaux, mais c'est français qu'il parlait. J'ai mis jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Mais comme je ne suis pas orgueilleux comme vous, comme je ne suis pas rancunier comme vous, j'en ai resté sur ma position éternellement, c'est pourquoi j'ai décidé de reparler de Latisse. Et j'en suis fier. Voilà. On n'est pas tous obligés d'aimer le même Latisse. Ça, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois dans plusieurs vidéos. Mais quand quelqu'un aime son Latisse, là, il faut respecter ça. Surtout quand il le fait dans la politesse. D'abord, un, parmi vous, bon nombre sont très mal polis. Et puis, c'est vous qui venez toujours à vouloir vous moquer de Latisse d'autrui. Ton artiste qui est fort là, il faut rester avec lui. Ton artiste qui vaut rien, qui n'a pas de prix là, nous ici on est avec lui. Et puis ce 20 décembre, on va vous montrer ça. Ça chauffe même pas. Ce 20 décembre là, on va vous montrer ça. On va remplir sérieusement le palais. En tout cas, si tu as des gens qui sont en train de regarder cette vidéo là, il faut partager cette vidéo là. Partage-la partout. Fallait partager ça même dans les groupes de tous les artistes que tu connais là. Voilà, les fans vont écouter ce que je suis en train de dire. Voilà. Prix ou pas, c'est vrai.
qu'un artiste a besoin de prix dans sa carrière. Mais s'il n'a pas, c'est comme ça. C'est comme on dit, c'est comme ça, c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Et puis il n'est pas encore mort. Voilà, avec un seul morceau, on peut ramasser plusieurs prix. C'est vous qui êtes pressé. Voilà, lui il est vivant. Dieu lui fait la grâce d'être encore vivant. Donc au lieu de le détester là, arrêtez de vous fatiguer. Parce qu'il y a des gars qui sont gamés. Très gamés, mais peut-être que vous. Voilà, vous vous fatiguez pour rien. Respectez l'artiste. Parce que même DJ Arafat, beaucoup le vilipendaient, beaucoup ne le respectaient pas, beaucoup le critiquaient. Mais c'est quand il est mort, on a réalisé qu'au fond, tout le monde l'aimait. Voilà, mais chacun se cachait derrière un argument pour ne pas le soutenir, mais pour ne pas dire qu'il l'aime publiquement. Tout le monde l'aimait. Vous pensez que toutes ces personnes qui sont sorties dans les rues, là, pendant ces obsèques jusqu'à toutes les manifestations, là, c'était que des Chinois? Non, il y avait tout le monde dedans, parce que moi-même, j'étais dedans. Mais moi, ici, légionnaire, fan des débordements, du coup, soyez fiers. Vous comprenez un peu? Donc, arrêtez de nous emmerder. Honnêtement, hein, moi, je vous respecte, je ne vais jamais vous insulter, mais arrêtez franchement de nous emmerder. Vous nous pourrissez souvent l'air. Voilà. Parce que quand l'artiste est calme, ça ne vous plaît pas. Mais quand vous allez le pousser à bout, qui va faire un direct en train de dire du n'importe quoi, vous ne vous souvenez pas que avant ça, vous l'avez insulté. Avant ça, vous vous êtes moqué de lui. Il faut que ça cesse tout ça là. J'ai fait mille et une vidéos pour vous dire on doit changer de mentalité. On doit changer notre façon de réfléchir là. Parce que je comprends aussi, je vous en veux pas trop. Parce que vous êtes sous l'influence de certaines personnes qui font des vidéos, qui aiment insulter, qui aiment toujours dénigrer, rabouer certains artistes. C'est pour ça que vous réagissez comme ça. Donc je vous comprends. Vous pensez que vous faites trop bien. Mais au fond, vous ne faites pas bien en fait. Voilà, dans la vie là, on pardonne. De la manière que vous n'êtes pas parfait, c'est comme ça, des bordeaux qui font n'est pas parfait. C'est comme ça, moi-même, je ne suis pas parfait. Donc arrêtons cette sorcellerie là. Voilà, ça ne servira à rien. On n'a qu'à apprendre à se respecter, on n'a qu'à apprendre à s'aimer vivant. Ne faisons pas comme DJ Arafat, quand il va mourir, c'est là tout le monde entier, mais tout à quoi il va pas reconnaître qu'il aimait les choses. Oh, ce dernier-là. Voilà. Arrêtez vos mauvais gestes de Bordeaux. Vos dévolus sans raison que vous déversez si l'artiste a. Arrêtez ça, on n'en a pas besoin. Voilà. Ce qui me plaît, c'est que ce dernier-là, il est tellement talentueux que quand il va faire sortir son cul de salle qu'il a manqué hier, là, vous allez danser dessus, vous allez chanter dessus. Même ça sera chic, mais la honte va vous pousser à dire que c'est pas chic. C'est ça qui est la vérité. Voilà, donc j'espère que je me suis fait entendre. J'ai été long, mais il le fallait, cher légionnaire. Voilà, donc partagez massivement cette vidéo-là, partout. Voilà, il faut que cette vidéo-là porte. Cette vidéo-là, seulement, il faut qu'elle porte. Parce que j'en ai marre, j'en ai vraiment marre de tout ça. Cette jalousie, cette haine, cette méchanceté gratuite, hein, j'en ai marre. Les mentalités doivent changer maintenant. Parce qu'on doit évoluer, la musique ivoirienne doit évoluer. Voilà, la musique ivoirienne ne se limite pas qu'à un artiste ou bien à un groupe de fans. Non, je suis désolé. Donc avançons. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis pour tous les artistes de Côte d'Ivoire, même les artistes africains. Mais apprenons à nous respecter. Voilà, c'est dans le respect qu'on pourra évoluer. Merci. Maintenant, chers légionnaires, je sais, comme moi, beaucoup ont été découragés. Beaucoup ont le gourmet de queue du sale actuellement parce que beaucoup ont veillé. Parce qu'au regard des messages et des appels, je sens que beaucoup ont vraiment veillé. C'est vrai, vous avez raison. Mais sachez déjà que l'artiste s'excuse auprès de vous. Voilà, il s'excuse auprès de vous. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Voilà, il a toujours envie de vous faire plaisir. Mais vous savez. Dans la vie d'un homme, il y a souvent des imprévus. Voilà, il y a souvent certaines choses qui empêchent de vouloir bien faire une chose qu'on a envie de faire. Vous comprenez un peu, non? C'est vrai que préalablement, que des salles étaient prévues pour hier, c'est-à-dire le 20 novembre à 23h59, mais ça n'a pas été le cas parce que vous savez très bien que Baby Philippe est en tournée. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi les morceaux de l'artiste de Bordeaux du Koufa durent. Voilà. C'est vrai qu'il ne fait pas sortir rapidement les morceaux, beaucoup, beaucoup de morceaux. Mais quand le mec est sur une production, c'est-à-dire quand il est sur un projet, il prend son temps. Parce qu'il n'a pas envie de vous servir de n'importe quoi, de la merde. Il n'a pas envie de ça, en fait. Il veut vous servir toujours une très bonne musique que vous pourrez écouter en 2019, hein? En 2020, en 2021, en 2022, comme ces morceaux précédents. Là. Quand on met toujours en bois, ça prend. Là. C'est comme ça. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand vous écoutez les morceaux de Bob Marley, et puis c'est toujours chic là. C'est des gars qui ne se pressent pas à sortir des morceaux comme ça. C'est bien beau de vouloir faire plaisir à ses fans, de vouloir avoir un gros bagage en musique, mais c'est bien aussi de sortir de la qualité. Et déborder de ce profil là, il a choisi pour la qualité. Il est de la qualité. Voilà, il aime faire sortir tout ce qui est bon. C'est pourquoi il prend son temps. Sinon, à la base, que Dissal était prêt. Mais quand tu es un artiste et puis tu as tellement envie de faire plaisir à tes fans, que tu écoutes ton morceau, il y a certaines parties que tu as envie de rattraper ou bien d'arranger. Or, vous savez très bien qu'actuellement, Baby Philippe est en tournée. Son seul vrai arrangeur fidèle, c'est Baby Philippe, mais il est en tournée. C'est vrai que Debordeaux veut nous faire plaisir, mais Baby Philippe aussi a ses fans à satisfaire. Ses fans de l'Europe qui lui demandent là, il ne peut pas faire autrement. Vous comprenez un peu, non? Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas la date exacte de Que du Sale, mais si elle ne sort pas avant le 20 décembre, elle sortira le jour J. Voilà, donc je tenais vraiment, vraiment à m'excuser auprès de tous les fans des Bordeaux. Je vous demande de rester toujours mobilisés, de rester concentrés sur l'objectif du 20 décembre. Les gens nous regardent, les gens prient pour qu'on fasse un fiasco. Je sais que ça n'arrivera pas parce que toi-même qui verras actuellement, tu ne vas pas permettre ça.
Tu as l'argent ou tu n'as pas l'argent, je sais que tu vas te débrouiller pour acheter les tickets de Porto. Ça, je suis trop confiant de ça. C'est pourquoi je te demande de partager la vidéo là. Voilà, je veux vraiment que tu partages cette vidéo là. Parce que si on arrive à faire au moins 25 000 vues sur cette vidéo là, je sais que beaucoup d'artistes, non, excusez-moi, beaucoup de fans vont comprendre un peu le message. Voilà, des Bordeaux voulaient vous faire plaisir hier, mais ça n'a pas été le cas pour certaines choses. Donc, restons concentrés. Voilà, tout comme fait que dit ça là. Ça va rester dans l'ordinateur de Baby Philippe. Ça va forcément sortir. C'est ça aussi un vrai fan. Tu peux exprimer ton mécontentement, ton découragement, mais tu ne laisses jamais ton artiste. Voilà, c'est ça aussi qu'il avait dit. Il faut jamais, jamais laisser ton artiste. Parce que si tu veux regarder la bouche des gens pour laisser ton artiste, tu auras honte demain. Voilà. Moi, je sais. Je respecte tous les autres artistes, mais je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire et je ne le dirai jamais assez. Moi, j'aime la musique de Bordeaux. J'aime Bordeaux. J'aime tous les artistes ivoiriens, mais mon préféré, là, c'est Bordeaux. Je ne vais jamais cesser de le dire. Si ça cause de ça, tu ne veux pas t'abonner à ma chaîne, faut pas t'abonner à ma chaîne. Si ça cause de ça, tu ne veux pas partager mes vidéos, faut pas partager mes vidéos. Mais de la manière que tu es fan de ton artiste et puis tu es fier, là, et puis tu veux qu'on le soutienne, là. C'est comme ça, moi aussi, j'aime soutenir l'artiste que j'aime. Voilà, c'est très important. Donc, ne vous fâchez pas, c'est un peu ça le problème. Voilà, Bordeaux aime la perfection. On dira que c'est un petit défaut aussi. Voilà. Parce que souvent, quand tu veux trop arranger, ça devient bizarre. Voilà, c'est ça le problème. Sinon, l'artiste s'excuse auprès de vous, l'artiste vous respecte, l'artiste est vraiment prêt pour vous. Il travaille que pour vous. Voilà. S'il est concentré sur le 20 décembre, c'est parce que vraiment, il compte vraiment sur vous. Voilà. Et puis, il y a un truc que j'aimerais vous dire. Quel que soit ce qui va se passer, faut savoir que comme l'artiste a été, je dirais pas coupable, a été toujours sujet de certains événements scandaleux dans ses spectacles, sur la toile, donc il y a des gens librement qui ont envie de lui faire du mal. C'est-à-dire, il y a des gens librement qui ont envie de le boycotter, qui ont envie de le voir cassé, qui veut qu'il soit toujours humilié. Donc, quel que soit l'événement qui va arriver, sachez que cela ne vient pas de Bordeaux. L'artiste veut tout faire pour vous faire plaisir, mais c'est des gens volontairement qui veulent l'éteindre ou bien qui veulent le nuire. Voilà. Chacun a ses défauts. Moi, tout ce que je demande et je prends toujours dans mes vidéos, c'est le pardon. Pardonnons-nous vivants et avançons. Voilà. Pardonnons-nous vivants et avançons. C'est très important. Merci encore les amis. Ciao, ciao, c'était Irito. Donc calmez-vous, que dit ça arrive. C'est pas sorti hier, mais ça va sortir avant 2020. Restez branchés, restez concentrés. En tout cas, une chose est sûre, moi je dis une chose, je sais qu'il y a que danser que dit ça en décembre. Toi aussi tu vas danser que dit ça en décembre. Et puis laisse les gens parler, les jaloux à qui j'ai parlé tout à l'heure, laisse les parler. Voilà, ils vont voir, ils vont danser que dit ça. Donc ciao, ciao les gars.